c'était le. Donc aujourd'hui, on est à Union-Cambrésy pour le premier jour de stage David Hockey. Donc c'est super top, ça dure 3 jours sur différents circuits. Donc je vais vous faire découvrir un peu comment ça se passe. Do you wanna dance? Yeah! Moving, grooving, slip and slide. On va, c'est bon, on est rentré en train de ligner, donc on a été à la piscine, j'ai pas pu tourner des plans parce que j'ai pas de caméra. Donc petit déroule de ligner avec Mika, qu'est-ce que t'en as pensé du cerveau aujourd'hui? Vas-y, j'étais le professeur aujourd'hui pour monter comment... Oh, t'es une coque de moto. Ouais, alors, mais non. Mais non, c'est PMDH, je dis bah, oui. Pour la moto. Ta gueule, arrête. Non. Présente-nous ton palace magnifique. Le palace. Il y a un peu de bruit, mais j'espère que c'est lui qui va monter. On va débriefer le premier jour de stage. Alors c'était à Union-Cambrésy. Donc qu'est-ce que t'en as pensé du circuit? Bah il était bien, il y a des bonnes traces. Non mais on a pu travailler les appuis donc ça c'était pas mal. Mais on n'a pas de plan vidéo. Donc demain on reste au cato. On va pouvoir travailler les jumps tout ça. Donc j'espère vous mettre des plans de la moto. Donc là on est dans la tente, c'est grand en fait. Ok. Ah, c'est nos voisins, nous on est juste à côté. Demain c'est quelle heure le réveil? 8h. Ouais mais vu qu'on va encore s'endormir à 3h du matin. On dort là-dessus quoi. Ouais. Regardez sur quoi il dort. Voilà. Deuxième jour de stage, donc aujourd'hui on est au cato. On a déjà fait le tour de reconnaissance ce matin. Donc bon, il y a eu un blessé mais voilà, 95% des blessés c'est les 5 premières minutes. Donc surtout faites attention quand vous allez sur un circuit, prenez bien le temps de prendre vos traces. Et cet après-midi on va faire des entraînements sur la grande piste et sur la petite. C'est vraiment cool parce qu'il y a vraiment deux pistes à rouler ici au cato. Donc ça c'est top. Débrief de la journée, donc aujourd'hui on était au cato Cambrésy pour rouler. Donc c'était super top parce que les pistes étaient H24 arrosées. Donc ça c'est vraiment un plus parce qu'il y a pas mal de poussière en ce moment sur les circuits. Donc ça c'était super top. On a pu travailler aussi les jumps, un peu du freeride. Donc ce qui est super cool au cato, c'est qu'on fait pas que de la moto. Donc après chaque session on va à la piscine. C'est même pas une minute à pied, on va dire, c'est juste à côté. Donc ça c'est vraiment trop bien. Après on fait feu de camp, on en a fait un hier soir. Là on va sûrement en refaire un. Voilà, on dort en tente.
Donc je vais vous mettre quelques images de notre habitation pendant ce séjour. Et puis non bah on s'éclate. You got me feeling so high. Yeah. I could fuck all night. Yeah. And it ain't gonna stop. Nah. No, it ain't gonna stop. Nah. So the moon was high, the music was live. I was holding on your booty, looking you in the eye. You said, do you wanna ride? I said, do I wanna fly? Hell yeah. I've been dreaming about the sky my whole life with the girl on my arm and a blunt on my lip. Bumping my music up in heaven and they loving my shit. Biggie Pac in the fifth, me and Bob on a split. I could die the day I know the deal is bobbing his head. So I worked all night. Amen. And I worked so hard. I might lose my mind, but I ain't gonna stop until I get mine. No, I ain't gonna stop. Rider, donc on est rentré des 3 jours de stage, donc en tout cas c'était top, on a vraiment progressé, pris du plaisir, découvert des nouvelles pistes, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir un peu comment ça se passe un stage CPMDH, j'espère vous y voir bientôt, et sur ce, prochaine vidéo, ça va être toujours un stage hockey avec le CPMDH à Osgore sur le training camp Bud Racing, ça c'est plutôt fin août. D'ici là, des nouvelles vidéos toujours, commentez aussi, partagez, lâchez un like. Et ah oui, je fais le CFS.